Bon, on a au feeling, hein, qui peut dire. Ouais, au feeling, qui peut dire. Au feeling, tu dis ça. Pas au feeling, tu dis ce que je dis. Non, après. Allez, 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu crois bien aller, donc on l'aime. Donc on l'a même, donc on l'a même. Bonjour. De retour. Bonjour, comment ça va? Les gens doivent se dire, mais mince, on a pleuré la semaine dernière. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Eh bien, on est de retour. Mais insistez pour nous dire qui peut dire, parce que pour la dernière, on n'a pas dit qui peut dire. On n'a pas dit? Non. On était trop dans l'émotion, je crois, oui, non? On a oublié notre qui peut dire. Les gens m'ont dit aussi, ah yo, qui peut dire à nous manquer. Oh, on voulait absolument faire une vraie dernière émission sans pleurer, cette fois-ci, oui. Pour pouvoir dire... En fait, c'est toi qui me dis, on va voir qu'on est grâce à rien. Qui peut arriver nous parconner. Mais voilà, une dernière petite émission, un genre de best-of, pour reparler un peu de l'émission, de ce qu'on a aimé, de comment ça s'est passé, entre autres. On voulait pas vous laisser juste comme ça. Et on sait que ça a été beaucoup d'émotions. Ah oui. Nous partis bien attendu tout ça. Non, que ce soit sur la page YouTube, Facebook, nos réseaux sociaux personnels, qui ont été inondés de messages et tout là. Merci, hein, merci pour tous ces messages. Ouais, hein. Franchement, mais ça nous a beaucoup touchés, en fait. Direct dans les cœurs. Merci, merci énormément. Que ce soit Mandimoun dans Maurice ou bien ouais, à l'étranger. Ou à l'étranger. Wow, les vidéos, incroyable. Les vidéos d'enfants qui pleurent, les mamans qui sont en train de pleurer, etc. Franchement, ça a une marée touche nous tous les quatre. Et même, je pense que ça vous a touché de voir qu'on n'allait plus être là tous les mardis avec vous. Mm. Mais on voulait parler un petit peu de Anti les Tours en général. Non, allez, nous commençons. Allez, non, allez. Allez. Alors, comment se te connaît, en fin d'année, à chaque fois, on avait notre best-of où on donnait le palmarès, en fait, du meilleur restaurant, peut-être de la meilleure activité, de ce qui nous préférait dans l'émission. Mais là, nous fait haine, 3 ans, comme si de démission confondue, on va dire. Wow. Qui meilleur restaurant qui tenne à aller, Christophe? Le best-of, le best du best du best, hein, la crème de la crème, c'est quoi pour toi? Et on en a mangé dans beaucoup de restaurants. Ah oui, on mange dans beaucoup, beaucoup de places. Et... Beaucoup de monde pose nous sa question. Ouais. Pas qu'à voir, tout a fait bon. Mais franchement, tout était Estelle, bon. Estelle a déjà répondu à une de ces questions-là dans le passé. Elle a déjà dit que Saban Base, quand nous allons là, nous préparer, vous êtes pour aller là-bas. Donc, soit on est déjà parti, ou bien les gens nous réfèrent d'aller dans cet endroit-là. Donc, ouais, c'est pas une surprise pour nous. Donc, pour revenir à Saban Base préféré. Préféré en 3 ans d'émission, là. En hein. 3 ans d'émission, juste parce que c'est très, très authentique et que je me retrouve back in my childhood. Ouais. Je sais pas du tout ce qu'il va dire. L'assiette d'antan. On est parti récemment. Ah, l'assiette d'antan. Ouais, c'était bon, ça. Je trouve que la façon qu'ils font la nourriture, c'est trop ouais. bon. J'avoue que c'était bon. Je crois que c'était l'avant-dernière émission. Avant-dernière, ouais. Vraiment le goût. Ben, les épices, la façon qu'ils se font à manger. Inexplicable. Même le service. Ouais, tout était top. Trop bon. En top, plus, c'est méga classe l'endroit. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cet endroit-là. Pour moi, c'est un des meilleurs restaurants. Et en 3 ans d'émission, franchement, c'est un resto qui a ouvert il y a 2 mois en plus. Ouais. Hein, donc chapeau well à eux, à Mocha. Si vous avez l'occasion, ben allez-y. Attends. Quoi? Je te dis un deuxième. Allez, dis un deuxième. Je dis un deuxième. ça, c'était un petit boutique hôtel, kind of, and then a petit hôtel. Which one? Astria. Ah, Astroya Beach. Astroya Beach. Astroya Beach. Ah, ouais. Le restaurant, parce que le chef, je connais le chef. Le restaurant était trop, trop bon. Oh, ouais, ça, j'avoue. C'était wow. J'aime bien quand on fait ce genre de questions-réponses, hein, parce que tout le temps qu'elle dit un truc, je me dis, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé c'était à bon ça. Ça ouais. C'est bon, ça. Vous avez rien là-bas, etc. Donc, c'est de là pour moi. Même moi, si je pense... Je dirais l'aventure du sucre, ça m'a quand même assez moqué parce que de l'entrée, du plat et le dessert, comme si les trois, hein, les trois, c'était super bon. Et puis, il y a la visite aussi avant. T'es pas bien rappelé, là, toi. Pas bien rappelé.
L'aventure du sucre, on était parti visiter le musée, la vieille usine, etc. Oh, bah oui! Tu te rappelles, on mangeait molle, hein, avec, avec des lentilles, etc. Tout était bon et agrémenté de la visite qui a précédé le repas, le service. C'est vrai, tu as raison. J'ai super, super, super adoré. Je trouve que c'est un bel endroit à découvrir en famille ou en couple aussi. Oui. Et en plus, ils font des petites soirées cinéma. Enfin, l'endroit même est magique. Et vraiment, vraiment, je crois que ça, c'est mon best-of. Ouais. Mais The Coolie, en fait, dans l'émission, là, ne pas juste nous dire. À chaque fois, vous nous voyez juste nous deux sur le canapé, etc. Nous avons envie qu'on ait des méchales avec Manny. Je dis tout de manger, ça m'a. Nous avons envie de profiter. Pas juste nous dire qu'une bad bis. Normal, c'est une bad bis. C'est beaucoup, beaucoup même. Bon, les gosses, pour vous, ben, le meilleur resto, c'était quoi? Pour moi, mon poil l'eau ne se brille. Ouais, c'était beau. C'est la bonne base pour les plans pour amener la famille. Oh, c'était bon ça, ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire c'était quelque chose. C'était plein vert, right? Ça, plein vert, ouais. C'était très bon ça. Mouah. Je tiens à dire quelque chose. Merci à Mandy Moon qui suivent nous parce que c'était un peu tough pour nous sur grill après le confinement, etc. C'était un peu tough parce qu'ils ont ouvert en plein ça, The Pangay, la clientèle Kitty Bizin. Et depuis, ben, grâce à vous, grâce à... Ça moche. Et les gens... Big Love. Ils ont suivi après l'émission. Donc merci à ZTC. Mais c'est vrai, nos so grill. Ça nous avait marqué aussi. Damn. So good. Chalem, alors? Non, on va vous dire... Chino restaurant. Ah oui! Oh mon Dieu, oui! Oui. Le timons, samoussa molle, paella seafood, boule de crabe. Ouais, c'était très bon. Franchement, ça, c'était super bon! Ça joue là, mais un peu exagéré. Trop mangé. Vraiment, on avait vraiment sommeil après parce qu'on avait trop mangé. Et Malène, Marie, gâte-nous. Marie, moi, pas pensé nous manger autant dans un petit détour que ce jour-là. Ouais. Manger la pécouche. Vini, Emta. C'est là, encore une fois, que nous avons tellement mangé qu'il nous pas gâté, mais ni devant caméra. C'était à Blue Bay. Blue Bamboo. Mais il y a bon tellement de bons restos Blue Bamboo. C'était bon là-bas. Super bon. Franchement, mention spéciale aussi. Le service, ben, la mine tape ses gars pour nous après. Ils ont fait les petits jeux et tout. Et franchement, les gars sont pas mal. Oui. Une dimension spéciale pour Blue Bamboo. C'est vrai. Allez, mais en tout cas, c'était l'occasion. On regrette toute bonne émission qui nous fait aussi. Et à guetter que nous allons manger, tous les restaurants étaient vraiment excellents. Donc merci déjà. Meilleure activité qui nous fait, toutes émissions confondues. Facile. Moi aussi. Vas-y. Skydive. Oui. Ouais, t'as Skydive Mauritius, come on. Skydive pour sûr, même si l'hélico aussi était assez impressionnant parce que ça faisait peur avec les portes ouvertes, etc. Corail. Mais le skydive, ça reste quand même the activity vraiment qui te fait palpiter, qui éveille tous tes sens, quoi. Tu as peur, tu es excité. Voilà, c'est exactement ça. Tu as peur, mais tu es excité en même temps. Tu te dis, aïe, je vais mourir, mais en même temps, tu te dis, ce bougla, il fait ça, pendant des années, he knows what he's doing. Mais n'empêche, c'était effrayant, mais ouais, Skydive Mauritius. C'était top aussi de revoir durant la dernière, notre première émission où on a sauté nous aussi. Et même en étant là-bas, de voir les gens qui sont en train de faire l'activité, ça nous a ramené un petit peu. Tu les entends hurler aussi. Ça fait penser à quelques... Et assez. Les gosses sont... Check my gosses, assez. Allez pour vous, la meilleure activité. Moi, la moche avec Lyon. Mais oui. Ça paraît adventure. Ouais. Ça vous challenge un ticket au début là. Ouais, mais ticket, mais elle marie l'émotion. Ouais. Marie l'émotion, je suis d'accord avec toi, c'était un super. Si ça faisait un peu peur, hein, je dois avouer. Mais c'est vrai, c'est une autre émotion. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Maniche. Ouais, c'était Liu. Pareil. Maniche aime bien les chats en général, ça dit que c'est une méga grosse. Ouais, ça. Tu peux faire calme. Tu peux rentrer dedans. Tu peux passer le tour après seulement, c'est ça le problème.
Non, mais aussi, il y a man du monde qui exote tous les jours là-bas, c'est man dresseur. Ils peuvent. Ouais. Je suis sûr qu'ils ont fait ça. Hein. Mais je me rappelle quand les deux premiers lions, quand ils sont partis avec le bougla, ils peuvent galoper au loin avec ceux des lions à côté. Ils peuvent galoper ensemble. Oui, des petites tapes sur les fesses des lions, etc. Allez. Je me rappelle, moi, si je me fais caresser, là, ils disent, mais donne un petit coup sur ses fesses. Je dis, non. Je tiens à ma main, quoi. Franchement, je suis d'accord avec les gosses parce que vraiment, c'était un super moment à vivre et à vivre ensemble. Et l'équipe était top là-bas. L'équipe était marie top. Petite mention spéciale, en fait, pour les filles à Rivière-Noire aussi. Ah oui, local adventure. Avec le kayak où on avait vu le lever du soleil, il y avait les dauphins, etc. Ça, c'était aussi quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre vie de tous les jours. Et je suis juste un petit peu chagrin qu'on n'a pas pu faire... Comment tu dis ça? Via ferrata. J'allais dire frittata. C'est un truc que tu manges. Ah oui, ouais. Ouais, mon chagrin qui nous panque à faire ça avec les filles parce qu'elles étaient vraiment super génial. Méga sympas. Ouais. Top. Le meilleur moment... Casse-nous les quais. Le meilleur moment, c'est à chaque fois quand je regarde l'émission. Ouais. C'est pas quand je fais l'émission, c'est quand je regarde l'émission. Sérieux? Pour moi, c'est le meilleur moment. Parce que c'est, pour moi, un travail accompli. Malgré qu'il n'est pas moi qui me fais un montage, que ce sont les garçons. Je vais rier. que ce sont les garçons. Mais quand tu vois ça, tu te dis... Well done. Ouais, genre, wow! Même pas moi qui le fais montage, pour dire... Hey, Christophe, pas mal. Tu te vois beau quand tu regardes l'émission. Tu dis, j'ai le garçon. Mais si nous mettons un filtre là, là, mais c'est malé. On paraît moins vieux. Tu es fier de l'équipe. Ouais. Et toi? Pas mal. Mais il y a un moment, il y en a tellement en fait, c'est difficile de choisir un seul moment. Mais peut-être je vais repenser au seul moment où j'ai pleuré à part de la dernière, c'était quand on avait rencontré les deux enfants à Kiapip. Ils étaient tout petits, ils n'arrêtaient pas de nous faire de super câlins et on a pleuré genuinely parce que ça nous touchait tellement de voir quelqu'un qui est en vacances à Maurice qui nous dit mais nous on va pas prendre cause créole, exote, se content d'être tous les jours, etc. Peut-être ça m'a moqué un peu plus qu'autre chose, mais que ce soit les visites, les interactions avec les gens, le partage avec les gens qui nous reçoivent aussi, etc. Beaucoup de choses font que il y a eu de super moments. Plusieurs bons moments, ouais. Les gossons? Quand j'ai fini reine de l'émission. Ouais. Quand j'ai fini mon montage. Parce que c'est vrai, Christophe et moi, nous là, je nous fais jeudi, rire, activité marie-top. Mais nous, notre travail fini après la fin du tournage. Les gossons, non seulement je le filme, mais en plus, vous avez fait un montage. Et qui n'est pas évident du tout, qui prend Marie beaucoup de temps. Ouais. D'ailleurs, pour le dernier, le dernier épisode. Ouais, il faut dire ça. Quelle heure tu as fini, Marniche? 7h de l'après-midi. 7h de l'après-midi, et quand on upload, quelle heure il finit? Non, au computer, il finit à assembler le montage à 10h du soir. Oh là là! On est sorti de la maison, on est venu au bureau, on upload. Et ouais, ça a été uploaded à minuit. Minuit, vous autres. Minuit. Nous nous faisons des travail. Oui, nous nous faisons mise à l'aile là. Oui. Ah, c'est là encore. Alors, beaucoup d'immunes aussi, ceux qui ne sont pas connus, ou peut-être vous vous posez la question, comment est-ce qu'ils nous peuvent faire pour organiser un tileto? Est-ce qu'il était difficile d'organiser l'émission? Ça dépend. Quand tu as des prestataires avec qui tu peux collaborer, qui sont très très organisés, c'est facile. Ça glisse. Ça glisse. Ouais. Parce que tu as une fille qui tombe d'accord une semaine avant que tu vas venir tel jour, telle heure et tu vas prendre combien de temps pour faire telle activité ou whatever. Ça, c'est facile. Mais quand tu as les changements de programme le jour pour le jour ou bien la veille pour le lendemain, là, ça devient très compliqué parce que ça chamboule la programmation entièrement. Le déroulé, en fait, de ce que tu as imaginé. Exactement. Et là, moi, très pessimiste comme personne, de toute façon. Ça veut dire que ça nous a fait une chance dans mon programme, là. Ça fait la programme. Finisse l'émission, là, dans business, là. Mais je suis extrême net dans ce sens-là. Mais pour moi, ouais, c'est pas difficile, mais c'est difficile parfois de trouver des collaborateurs qui sont 100% sérieux. On en a eu plein. Sûr. Mais c'est juste casse-nissa quand il y a un monde qui parle, qui a tout le temps un problème. Ok. Moi, mon pensée, le fait qu'il ne m'a pas le One TV, que je ne suis pas ici avec vous tous les jours, c'était un peu compliqué des fois entre mes autres jobs.
d'envoyer des messages, d'appeler, d'envoyer des mails, parce que c'est pas juste « Allez, on peut venir chez vous, c'est bon ». Non, c'est pas ça du tout. Il y a des autorisations à demander, envoyer des mails, en bonne et due forme, etc. Donc peut-être ce suivi-là était assez compliqué. Et des fois, il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'émission et qui nous disent « Oui, top, venez, on vous attend ». Mais il y en a d'autres qui disent « Non, like, who are you ?» Et on n'a pas le temps, c'est busy, là, on veut pas. Et là, quand tu as un nom, alors que tu as imaginé une émission dans ta tête, je disais, je vais penser à quoi là? Et il y a des endroits où on voulait pas être, par exemple, mais on n'a pas eu les autorisations, on n'a pas pu choquer, ce qui est mari dommage. Et là, c'est de trouver un plan B, un plan C, quand le plan B aussi te dit non. Aïe, donc, casser rangé. Ou bien aussi, il y a des, y a des endroits qui, nous penser, nous besoin mettre de l'avant parce que oui, c'est plein d'endroits que Jimoun soit pas au courant ou bien qu'il n'y a pas assez de. Pas publicité, on va dire coverage. Tu te dis, ouais, ça aurait été vraiment intéressant pour les Mauriciens, que ce soit Maurice ou ailleurs, trouve sa base là, propriété là, qu'à dire toi. Nous pas pévise mauricien, de toute façon. Oui, on a déjà eu ça. Nous pas pévise mauricien ou non, ça ne nous intéresse pas, non. Non. Donc dit, mais c'est gratuit, je vais gagner la publicité gratuite. Ouais, nous pas besoin de publicité, nous. Donc oui, on a aussi ça en fait. Tu n'as pas besoin d'un Maurice avec toi, il faut d'un Maurice, allez. Chut, arrête ta violence, calme, sourire. Allez, on est beau. Qui place de sa graine de pas me visiter dans Maurice? Comme si on n'a pas pu choquer ce dentil et tout. Mon sagrin qui m'a pas mal... Oups, excusez-moi. Pardon. Oui. Nous, pays, dérange-toi. Non. Sorry. Oui, c'est bon. Sa base dans le sud, écotante. Authentique, écotante. Authentique, ouais. Authentique, c'est vraiment une jolie endroit à côté d'un. Super. Bah, juste... tente 5 étoiles, un peu, on va voilà, dire. Je suis juste un peu chagrin qu'on n'ait pas pu partir là-bas. Ça, c'est top. Moi, pensez à une ta base encore. Dans Maurice, qui nous a choqué, etc. Peut-être, je crois, le Chanty Maurice, qui est un hôtel qui est dans le sud, qui est assez authentique, etc. Il y a un petit grand spa dans Maurice. Il y a une base qui s'appelle le Rum Shed, qui est un restaurant côté de la Dissable là-dedans. Et ils ont des sessions de cinéma aussi. Enfin, c'est une vibe qui m'a gagné comme une Alabama, moi. Ah bon? Et c'est une affaire qui me tient content. Pas t'as assez que Bandimu qui fait Get New Exot ici, mais on n'a pas eu l'occasion malheureusement d'y aller. Et bref, il y a une tas les autres endroits dans Maurice qui nous rappellent. Allez les garçons. Tu restes à Get New Oh, mais c'est vrai, ça ne reste dans ce l'équerre. On a besoin de remuer le couteau dans la plaie. Bon, attends, on n'avait pas pu faire. Ça l'aime causer, mais ce micro, pareil que moi, Estelle, de se la mettre en bas. Peut-être ça peut pas en aller. Pendant la guette dauphin, Christophe avec Maniche. Oui, pendant l'émission, on n'a pas pu faire. Ça se trappait, sa déception-là. On a pu aller voir après, hein, mais comme si sa déception-là, pendant. Christophe, tu as quelque chose à dire? Dis-moi. It was a setup, vous autres. On a fait. Je t'y connais. Je t'y déjà connais qui nous pape. On a fait ça pour la caméra. Je t'y connais qui nous pape attendre. Je pense qu'il y a des gens qui savaient, mais d'autres non. Je me suis dit, vous n'en coupez que ça avec moi. Jusqu'à les gens, jusqu'à Stella, tout le crio. Moi, je vais vous dire, pas sérieux, tout le kit ban là. C'était un setup, vous autres. C'était un setup. Parce que moi, je pouvais pas en fait venir très très tôt. Oui, tu avais un problème. J'avais déjà quelque chose, ouais. Etc. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire ça et tout. Et nous, mais casse de dribble là. Ah, voilà, mais ce sont des menteurs. Franchement. C'est une émission, vous autres. C'est une émission de divertissement. Donc, on vous a diverti. Et je crois que c'était une des émissions qui avait eu le plus de commentaires. Et plus de vues aussi. Est-ce que tu pensais, Antileto, Tipou Gagne, succès qu'il a gagné? Et d'après toi, qu'est-ce qui a fait que l'émission a autant marché en fait? Je pensais que l'émission allait très, très bien marcher. Mais je ne savais pas que ça allait durer pendant aussi longtemps. Ah, ouais. En même temps, toi, en 2020, c'est toi qui penses au concept d'Antileto, ouais. Etc. Est-ce qu'on a respecté déjà ta vision que tu avais de l'émission? Ah oui, oui, oui. Mais c'est vrai, au fur et à mesure, on a un peu exagéré. Parce que dans ma tête, l'émission n'est pas typo plus que 18 minutes. Un format 18. Ouais. Et... Il fait inettant. Ça allait faire inettant. Ah, ça allait faire inettant 18. Donc je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je pensais que j'allais faire ça pendant un an, mais pas plus. Et ben, visiblement, grâce à la notoriété de l'émission, ben, je suis marré content qu'on ait pu extendre le truc au maximum possible. Et d'après toi, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait le succès d'Antileto d'après toi? Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense que c'est au niveau technique. C'est joliment filmé, ouais, et artistiquement monté.
Et je pense que c'est un mélange aussi de le chose qu'on a, nous, ensemble. Oui, la complicité. La complicité qu'on a ensemble. Je pense aussi que c'est l'humour, que c'est fun, que c'est pas pris au sérieux. Et que, ben, it's just full good vibes. Ouais, c'est ça. Full good vibes. Comment ça peut ne pas marcher? Ben, Leïla, et toi? Top. Moi, me penser, on dit qu'est-ce qui a fait le succès de l'émission déjà, c'est que c'est ce qui beaucoup de monde dit à moi. Hein. C'est un moment que famille résonne que tout. Ouais. C'est-à-dire c'est un moment familial. Nous-mêmes, on était justement comme une petite famille quand les gens nous regardaient. Justement, c'était un joli partage. Ben, la musique, hey, nous pouvons nous cavaler là-bas, ce week-end-là. Et hey, ben là, là-bas, là, écoute, nous pouvons aller à ces semaines-là. C'était quelque chose vraiment où vous suiviez où. Voilà, où on était parti et où vous alliez partir avec votre famille, votre copain, votre copine, vos enfants, etc. Donc je pense que ça aussi a fait que. Et comme Anthony disait, nous partis penser qu'une émission qui vous dure aussi longtemps, mais ouais. Même moi, au début, quand Christophe me contacte, je me dis sûrement c'est une collaboration d'un an ou quelque chose comme ça. Mais ça a tellement moché et ça a tellement bien pris que ben, on est resté pour au moins 3 ans. Quoi. Presque 3 ans, c'est incroyable. Et c'était fun aussi d'animer l'émission, d'être ensemble. Effectivement, la complicité a beaucoup joué. Et peut-être le fait qu'Ibanan pouvait nous genuine, on restait quand même nous-mêmes dans l'émission, dans nous, dans les autres jobs, on est des fois d'autres personnes. Ah oui, moi, c'est très différent. On pas comme ça dans l'émission, ouais. Oui, mais moi, ben, le djimoun, là, payé. Mais là, on restait quand même nous-mêmes, et même les gossons, on les voyait plus à la caméra. Il y avait aussi un partage de l'équipe camarade, qui paye ça aussi, qui découvrait Mansa Fedor Maurice. Et je pense qu'il y avait un gap aussi par rapport à ça. Mauricien content Maurice, mais nous pas qu'il n'est que de poêler. Ouais. Et là, c'était en train de filer un gars qui était vraiment là, genre, que de poêler, qui pour faire? Beaucoup de gens me disaient, yo, mais finalement, on est fait dans Maurice. Non, il y en a beaucoup d'affaires pour faire dans Maurice, mais beaucoup. Ouais, exact. Donc vraiment, on est venu filer l'espace qu'il y avait pour vous montrer, ben voilà ce qu'il y a à Maurice, et voilà, vous pouvez partir. Je pense que c'est ça qui a fait aussi ben, le succès d'Anti les trois. C'est si bien. Oh, tu as vu? Est-ce que dans les 3 ans, presque 3 ans que tu fais l'émission, est-ce que tu as une vie un challenge? Parce que beaucoup de personnes se disent, mais Antilly et tout, mais moi aussi, j'ai envie de travailler avec toi, Antilly, puis elle a une poste libre là pour aller manger, faire activité. Est-ce qu'il y a eu des challenges par rapport à Antilly et tout dans toute la vie? Mais oui, vous êtes, parce que c'est pas si évident parfois d'avoir une caméra devant toi et que. Peu importe les soucis qu'il y a dans ta vie, peu importe les problèmes que tu puisses avoir présentement, mais tu peux pas le montrer aux gens, tu peux pas laisser ça transpirer sur l'émission parce que ça n'a rien à voir avec les viewers. Tous les problèmes personnels n'ont rien à voir avec les viewers. Le challenge pour moi, parce que pendant un bon bout de temps j'étais très très malade, le plus gros challenge c'était de garder le sourire. C'est très dramatique ce que je suis en train de dire. Mais c'était de garder le sourire pendant les moments qui étaient un petit peu difficiles dans ma vie. Je pense que même, peut-être les gens ne savent pas, mais il y a plein de fois où tu as failli tomber sans connaissance, tu n'étais pas bien, sa tête tourne, etc. Il n'est pas très bien, mais dès que camera is rolling, ben he's back en fait. Ouais. Et tu as fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, etc. Ah, bon, ne peut faire ça, comment dire, Christophe est horrible. Non, il est top même c'est en général. Non, il est top en général. Sauf que des fois, il a eu des petits challenges, on va dire, par rapport à la santé et tout. Mais tu gardais quand même le sourire et tu venais et tu fais manzoli, no matter what, quoi. Yep. Moi, je pense que le challenge, et pour répondre à la question d'avant aussi, moi, pas tu penses, c'est pas un tileto, typou. Aussi gros. Populaire. Ouais. À savoir que et Christophe et moi, on fait des jobs dans l'audiovisuel depuis qu'on est beaucoup plus jeunes. Ouais. On a toujours fait des jobs, que ce soit à la télé, au théâtre, etc. Mais là, c'était vraiment une émission que tu te rends dans la case d'Imoun une fois la semaine. Donc, d'Imoun, elle a l'impression qu'il te camarade avec eux, qu'ils te connaissent toi. Et qui est tout à fait normal parce qu'ils ont l'impression de partager tellement de choses avec nous. Et moi, le challenge, je pense, c'était par rapport à ma vie personnelle, effectivement, parce qu'il y a tellement de monde qui vient te parler, te féliciter, c'est toujours bienveillant. Hein. On parlait de ça un petit peu plus tôt d'ailleurs, on n'a jamais vraiment eu un mauvais commentaire sur nos vidéos d'un petit détour. Et ça a toujours été bien gentil, bien sympa, etc. Et quand tu as besoin de 10 minutes, tu as besoin de causer, tu mets un dialogue et tout. Mais c'est vrai que quand tu vas au supermarché, on t'arrête 10 fois. C'est dur pour les personnes qui t'accompagnent, c'est dur pour la famille des fois parce qu'ils doivent t'attendre, etc. Ils comprennent, hein, mais c'est un petit peu voilà, le challenge que moi j'ai eu, c'est la popularité qui est venue avec Anti les tours d'un seul coup et qui était top aussi parce que ça te ramène d'autres projets, mais petit challenge aussi dans la vie personnelle par rapport à ça, on va dire. Ouais.
Alors, on a reçu, au moment où on fait l'émission là, bon, l'émission là, pour sortir m'a dit, mais nous, nous pouvons faire ça quelques jours avant. Ça fait 2 jours que l'émission est sortie là. Tu veux comprendre ce que je dis là ou pas? Ouais. Non, tu aimes bien dire là. Zodi Zedi. Oui, tout simplement, en tout cas, c'est Zodi Zedi. Zodi Zedi. Voilà, Zodi Zedi. Pourquoi pas les... Enfin, parce bref. Parce que t'es une femme. C'est compliqué. Tu m'as fait imaginer, relax. Tu vois, féministe, tu vous lever là, tout de suite. On a reçu beaucoup, beaucoup de commentaires en 2 jours. Pour le moment, là, on arrive des 135 commentaires, si je ne me trompe pas. Et Marie Beaucoup Views, la dernière émission d'Antilito. C'est moins de 48 heures, hein. C'est moins de 48 heures. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, mais nous gagnons soupe, nous partons plus à Tannes. On savait déjà que Christophe allait s'en aller depuis quelques semaines, mais on ne voulait pas vraiment vous le dire. On s'est dit, on va attendre vraiment la dernière pour ne pas gâcher l'humeur de tout le monde. Et après, on s'est dit, on va faire une belle dernière. Et on a eu tellement, tellement de commentaires. Nous faisons bizarre par Saint-Pélo, un des commentaires qui nous gagnait. Go for it. Allez, on a Shirley69 qui nous a dit « I'm not ready to watch this episode. I'm not even ready to read the comments. You made my Tuesday nights magic. Thank you to the whole team for making these memorable videos. You will be missed, Christophe. » Et un merci, c'est chant. Shirley69. Et un Shirley, continue cette position. Alors, Torabali Ali. Qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai pas écouté. Continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une bêtise. Oui. Torabali Ali qui a dit merci à l'équipe d'Antileto avec un gros cœur. M'aurais aimé chez eux pour tout ce bande découverte qui se finit fait moi et que ma famille visitait grâce à eux. Ça fait beaucoup d'années qu'ils m'ont pas gagné l'émotion que moi m'ont gagné Zodi avec l'émission Antileto. Moi et que ma madame, nous bien pleuré. Nous remercions eux encore 1000 fois. Nous espérons nous retrouver eux encore. Nous souhaitons Christophe best luck in your career. Et qu'à l'équipe Antileto aussi pareil. We'll miss the most beautiful émission in the world from Ali and Emily from Trobisch. Et un merci, merci. C'est très, très gentil. Mouah. Marie, Marie cute. Merci beaucoup. C'est beau. Adrien Adé qui nous a dit après 3 ans, fouf, tellement triste de devoir dire qu'on va plus voir cette émission qui nous a tellement fait voyager. Antileto, c'était merveilleux. Merci Christophe, Estelle, Mani, Chalem. Love you l'équipe Antileto. Obligé vers Antilom. Tellement d'émotions. Non. So cute. So franchement, nice. Beaucoup d'amour, tellement d'amour, tellement de soutien. Incroyable. Vous avez été extraordinaire. Vraiment le meilleur public. Ben, on n'aurait pas pu rêver d'un meilleur public en vrai. On a Charlène Bozel aussi qui nous a dit merci Antileto, plein de fois que de mon lille type manque moi ou quand me suis déprimée pour quelque chose, mon nickname Antileto zoué mon mood refait net. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point vous répandez du bonheur aux gens. Merci à chacun de vous. Gros bisous à vous tous. Et que ce type avion Maurice et que ce type avion la France. Et on a une mention spéciale pour Navdas One qui a écrit le plus long commentaire. Mention spéciale, le plus long commentaire. Joli commentaire, c'est well bon. Done. Hein. Merci beaucoup. Mais c'était le plus long commentaire qu'on a reçu de du. Il y a un petit bout au moins dedans, comme si pas chic pour la personne. Il écrit sa quantité. Allez, là. Allez, lire. The end of a very beautiful journey always generates a lot of sadness. Je vais arrêter là, c'était juste une phrase. Antileto has been showcasing all along what Tiny Mauritius is all about. Very true. On fait un dernier. Un dernier pour la route. Allez, Taïb Jolim nous a dit « Man, I'm going to miss this show. In my knowledge, Antileto is one of the best shows Maurice has ever produced. Bravo, bravo, bravo. Please don't remove the archives on YouTube. Thank oh, no, you. » We won't. C'est sûr qu'on va rien retirer. Vous pourrez regarder, re-regarder. Pour ceux qui nous ont rejoints peut-être en début d'année ou l'année dernière, etc. Ré-retourne, première émission qu'ils nous fait. Vous refaites tout, quoi. Vous refaites vraiment toute la série. Et vous finissez dans 3 ans. Voilà. Get end pas semaine. Ouais, c'est pas pour sentiment, là, là. Get end pas semaine. Ah, j'ai un dernier. Allez, vas-y. Laurence Hippolyte qui nous a dit bonjour à vous. Laurence merci Hippolyte. Pour la... Ça te dit quelque chose, ça? Oui, ça me dit quelque chose. Ah, ok. Bonjour à vous. Merci pour la découverte de Maurice. Les prochaines vacances se feront à travers vos différentes émissions. Bon vent à Christophe. Mention spéciale pour Estelle, La Réunion. Ah. Franchement, il y en a beaucoup d'immunes Déo, Maurice aussi, qui ne suivent Antileto, qui ne comptent Antileto, etc. Et beaucoup d'immunes qui n'écrivent de vacances par rapport à ce qui nous fait vivre dans Antileto. Et bien, continuez à le faire. Continuez à visiter Maurice.
qui se ici sur l'île ou en dehors, ben là, il a une tasse de base. Là, on vous a donné plein d'idées, là. Attends, dernier truc. Je voulais dire quelque chose quand on filmait notre dernier épisode. On était à Lux et il y a un couple de Réunionnais. Oui, attends, c'est vrai. Pas un Mauricien, un Réunionnais, là, ou bien half un Mauricien, half français. Non. Full-fledged. Un couple de Réunionnais qui ne fait cet itinéraire par rapport à Antilétour. Et la femme, ils disent nous comme ça, merci, parce que grâce à ça, elle redécouvre l'île Maurice. Ouais. Et grâce à ça, à chaque fois qu'elle vient, elle peut faire des choses nouvelles. Pas forcément avec Tujimundiali, au moins elle a vu. Et elle choisit, elle fait son itinéraire elle-même. Donc, allez, encore D. Sandra Anna Chengalani nous dit « We'll definitely miss you four. You all have such a vibe. We are always waiting for your new adventure every Tuesday. My son of 6 is, I think, your biggest fan. Thank you. » Merci aux enfants qui nous suivent et qui adorent l'émission. Les enfants sont un de... Nous fanbase, là. Major fanbase. Ouais. Complètement. Allez, un dernier. Dernier. Mansour Beguelou nous dit « En effet, mon pleuré en samexut, dernier l'air. Merci à l'équipe entière qui finit pas au ça va un moment là avec nous. You guys are the Fantastic Four! » Et tu as déjà dit ça, non, Fantastic Four? Toi-même, tu as dit, je crois, non? Qu'est-ce qu'elle dit non, ça? Non, on a déjà mentionné ça avant. C'est vrai. Et franchement, c'est Marie gentille. Merci pour tous les bons commentaires. Monsieur, comme Odin arrive, il y a encore plus de commentaires. Ça nous touche beaucoup. Donc, merci pour tout cet amour. Bon, nous finissons un petit détour. On a fait un petit peu le review des 3 années, etc. Maintenant, parlons de toi, Christophe. Toi, tu peux aller. Nous pour voler même, nous pour de nouvelles aventures. Nous, encore plus de travail, le bon projet qui peut venir, etc. Donnez-nous un peu de temps, on va revenir bientôt. Tu peux aller. Ça fait combien d'années déjà qu'il te loue One TV? 7 ans. 7 ans! Oh gosh, ça te fait peur là, on pense à ça. Un coup j'ai comme postillonné ça, sur toi. De tout à l'heure, tu peux postillonner et je pense que les gens vont voir à cause de la lumière, je peux trouver à qui point il trace. Mais 7 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça? Ouais, 7 ans. 7 ans. Tu as réalisé à qui? 7 ans. Est-ce qu'il t'a réalisé à qui point tu finis l'impact en fait? L'Oban Dimoun qui te fait guetter toi en 7 ans d'émission. Tu as fait quand même de belles choses. Ouais, mais ça n'a jamais été le but de. Pour avoir la notoriété. Oui. Non, le but c'était prendre Nissa et. Potasson, les autres Dimoun. C'était ça mon but. Potas a une bonne vibe avec Dimoun. Ouais, c'était le seul but. C'était. Soit les bizarres entertaining, soit les bizarres apprendre quelque chose. Mais jamais prendre trop au sérieux. Ouais. Et allez là, c'était ça le but premier. Franchement top. Pour ceux qui pas connaît peut-être ce qui Christophe il fait, ben on regarde tout de suite un best-of de Monsieur Saint-Lambert sur One TV. Ok. C'est ce commissaire Mamour speaking. Ici personne n'a pas fini de faire fessier. Parce qu'il nous qui la loi. Parce qu'il nous qui marie. Parce qu'il nous qui la loi. Parce qu'il nous qui marie. Chousse. Oui, chousse.
c'est bande échantillon qui nous prélève même qui dit à pas connaître. Manchus. Le mot de la semaine, c'est katakata, qui a plusieurs explications. Parmi katakata veut dire sauterelle en français. Un gain jagaloubia et joc, ça veut me faire pour ça de la vie. De la vie, c'est ma vie. On va arriver sur ma fille, on s'est arrêté sur ma fille. Mon mot, c'est le soleil, ça, hein? Et mon mot, c'est la lune, quand nous allons nous faire éclipse. Ah, c'est pas le jeu. Et tu l'as pourquoi tu dis? Quand on a une zone rose, seule solution, c'est aller dans le canal. Prends les temps pour qu'on prenne blague là. Voilà, de plus en plus classe, Christophe. Direction au pointe sable. Oui, mais c'est ça qu'on va voir. Ah ouais, il y a un rappel, merci d'envoi là, c'est pour moi. Non, bon, blé, plus ni d'enfant, j'oublie pas, ni plus bon pour fouiller. Eh ben, rentre là, rentre là-dedans. Rentre pour fouiller, là, qu'est-ce que ça prend du rentre d'enfant. Mais tu veux dire où, mais il sera content. Mon chingam Mon gars, ça là! Ok. Parce qu'il dit pas qu'on vit une fade. Contrairement à certains djibouns qui paraît bien fade. Vous êtes le commissaire Mamour, n'est-ce pas? En chair et en os. Mais plus de les os que de chair. Si on fait la soupe avec moi, on ajoute 10 livres la viande. A wise man said once, booze to pum pum, montrez-moi qui to went bad. Révolution, révolution. Voir un petit peu les images de tous les projets que tu as fait sur One TV. On est parti fouiller un peu partout là. Hein? Me pensais beaucoup de Bunin revivre beaucoup l'émotion, les temps de Pereguetza là. Tu as mis vraiment toute l'île Maurice de bonne humeur pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Mon papier almour, hein? On fait comme si tu es en train de mourir. Mon papier almour. Ok, le papier almour. Ouais. Mais l'histoire, tu sais, déjà au canapé. Qui part au canapé de base, c'est le canapé de Bertrand. Qui lui fait faire la même coca sur place? What? Oui, vas-y. Tu peux poser ta question, s'il te plaît. Allez, session question-réponse avec Monsieur Salambert. Est-ce qu'il te rappelle ton premier jour de travail contre Radio One? Ah oui, il me rappelle parce que dans ma tête, je me disais... Qui me plaît faire? Parce que vous êtes... Croyez-moi, peut-être maintenant, là, c'est très commun d'avoir différents house of productions, différents gens qui font des vidéos. Mais ces temps de cela, c'était pas aussi populaire. Hein? On a set quelque chose. On a commencé quelque chose de génial. Mais j'arrivais pas à picture dans ma tête. J'arrivais pas à picture. Mais comment ça va être? Ok, je n'explique moi comment cette histoire-là peut être très bien. Mais en pratique, comment ça va être? J'arrivais pas à picture. Je me souviens que j'étais excité. But I was so puzzled. I was like, OK, what's next and what am I doing here? Mais excité quand même, ouais. T'es-tu pensé que tu fais aussi longtemps que Radio One? Ah oui, 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 oui. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans les médias. Ça te rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas du tout, ça fait presque 20 ans. Et depuis la première radio avec laquelle j'ai collaboré,
Mon but premier, mon but ultime, ça a toujours été Radio One. Ça, c'est pas langue de bois, ça. Hein. Waouh! Wow. Ouais. Ouais. L'équipe là, Marie, content là. Hein. Allez, deuxième question. Mon collègue, moi, il fait un mois. Qui te plie compte en fait contre Radio One? C'est de travailler tout en ayant une liberté, mais incroyable. Peine à personne, l'autre épaule qui peut dire ouais, qu'est-ce que tu fais, ça pas bon, ça bon, ça c'est comique, ça c'est pas comique. Non, il n'y a personne qui peut faire ça ici. Ici, si tu es dans ton poste, tu mérites d'être dans ton poste. C'est ça que j'adore ici. Ça veut dire, si tu es dans ton poste, c'est-à-dire qu'on te fait confiance pour faire le travail ben, pour lequel on t'a recruté. Et ça, c'est ce qui me préfère avec Radio One, c'est de pouvoir travailler sans contrainte. Que les autres médias, c'était pas le cas. Quand tu viens remonte à l'équipe en 2020, est-ce qu'il était difficile? Oh, ça c'est tough. Oui, c'était très difficile. C'était plus difficile émotionnellement, pas non. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à faire le deuil. Beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, je pense pas que j'ai fait le deuil à présent. Ça reste toujours quelque chose de très, très sensible pour moi. C'était vraiment, vraiment difficile. Pendant tout le temps que je suis resté chez Radio One, c'était le moment le plus difficile. By far. Moving on, sinon on gagne. Ok, d'accord. Allez. Qui travaille plus bizarre de faire contre Radio One? Content producer pour One TV. C'était ça? Qu'est-ce qui fait plus bizarre? Ouais, je sais pas. Bizarre. Moi, je lui dis un truc fou que je vais faire avec Béatron. Un reportage fou. Tu fais l'incense des fois. Ouais, Manish a 100% raison parce que tu sais, pour le news show, je ne suis pas content producer pour le news show. Je faisais des faits divers, etc. Mais je ne suis pas content producer, qui veut dire que ce n'est pas moi qui écris les sketchs pour le news show, c'est Bertrand. Mais parfois, malgré ces histoires-là, au papier, qui Bertrand capable, explique-toi. Je te dis, what is he talking about? Et t'as pas réussi picture dans toute la tête parce que c'est dans seule la tête, c'est pas dans toute la tête. Et vu que les choses les vendredis, ça porte marie méga vite, les gars, si on vous confirmer, ça porte marie vite de comment finir monter, comment finir lire script, tourner, comment finir tourner, monter, et peine à l'air, comment dire, pour. Tu n'as pas le temps de réfléchir. It goes really fast. Mais c'est vrai, les trucs les plus bizarres à me faire, c'était dans le news show. Merci, Manish. Qui a fait qui vous plus manque, toi? Je pense que c'est mes collègues. Mes collègues, parce que au fil des années, je trouve mes collègues plus qu'ils trouvent leur famille, leurs camarades. C'est-à-dire de 9h à 5h, ou bien parfois à pas d'heure, tu es avec tes collègues. Quand tu rentres de la case, il arrive 6h, 7h, tu parles de dormir, 10h. Tu vois tes collègues plus souvent. Donc, ce sont mes collègues que je vais manquer le plus de voir ces deux têtes-là devant moi. Ouais, I'm gonna miss them the most, those two. Oh, bah là, vous pleurez, là. Raconte-nous tes meilleurs moments contre Radio One en 7 ans que tu es là. Le meilleur moment, by far, c'est le jour où le directeur m'a appelé pour me dire que j'ai eu le travail. Oh. C'était ça le plus beau moment parce que c'est quelque chose qui me strive depuis marie longtemps. Mon mari l'idée pour un Zoom arrive à travailler pour Radio One. Le jour que j'ai eu la confirmation que effectivement j'ai eu le travail, malgré que j'étais very puzzled, bon bah tu peux connecter, on peut le faire, mais je m'en foutais pour vivre mon travail pour Radio One. C'était ça le plus beau jour pour moi. Est-ce que tu as un regret peut-être? Regret? Non. Ouais. Elles ont fait qui te regrettait de pas le faire ici, que tu as content faire, etc. Non. Je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de projets chez Radio One et en dehors de Radio One. Le truc que moi, il y en a bien rarement, ce sont des regrets. Parce que tout ce qui m'offre,
me réfléchis avant et je pèse le pour et le contre. Et quand je vois un moment, vieux tonton, vieux ma tante, vieux cousin, cousine, etc., qui m'aude en regret, je me dis non, I'm not gonna live like that. Et pas un regret whatsoever. Tu peux à l'autre côté d'Ilo. Quand nous avons fait tes affaires, Esther, parce qu'on ne va plus te voir sur Radio One. Vous pouvez toujours me checker sur Instagram. Avant, j'étais sur Facebook, mais plus maintenant, parce que c'est chiant, Facebook. c'est marre chiant, les gens sont si négatifs, c'est horrible. L'indice la guerre, au Facebook. L'indice la guerre est pas là, jeez. Mais, the car, check moi, Christophe Salambert, allo Instagram. Et, venez voir vos affaires, vous guettez que vous me faire après. Car je vous y ai pris. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous tes fans qui t'ont suivi depuis 7 ans et qui t'aiment vraiment, vraiment beaucoup, les adultes, les enfants et bah, tout le monde, quoi, tous les Mauriciens? Ouais. Merci. Pena noni apporte merci qui m'ont capable de dire. Au début, je pensais, avec le mot que j'ai, que parfois le sarcasme, ça passe pas avec tout le monde. Ou bien l'humour noir, ça passe pas avec tout le monde. Mais j'ai remarqué qu'au fil des années, j'ai voulu être bien habitué. Et finalement, je sais pas, enfin, je me trouve dans des situations où je fais une blague. Après, je me dis, ah, pourquoi j'ai dit ça là? Mais les gens rient parce qu'ils disent, ah, il est pas facile, toi, Christophe. Je peux dire les choses les plus horribles. Mais ça passe. Mais ouais, donc merci, merci, je ne suis pas moi. Pouf. Je me connais, parfois c'est pas facile tout le temps. Mais merci de me supporter moi. Et merci surtout qu'ils ont soutenu moi pendant tout ce temps. Et qu'ils ont partagé de l'amour, de l'affection. Et parfois de bonnes secrets aussi avec moi. Et ben, nous n'avons pas envie de dire qu'ils nous ont un chemin séparé. Non, je suis l'autre trottoir. Moi, côté un chemin là, moi. Je suis l'autre trottoir. À un moment donné, je remonte l'autre chemin là. On va refaire une route ensemble. Allez. Merci. Je ne fin suis ventilé tout pendant 3 ans. Ailleurs. Et toi? Il arrive l'air. Eh, hey, Macron, il continue de battre, frère. Il arrive l'air. Nous faire du Sega final. Et toi? Sega. Ailleurs. Ah. Qui ça n'a pas de Christophe qui a fait ça comme ça là? Merci à Chalem qui coûte quand même ta brava aussi. Ben merci à toi d'avoir préparé cette émission là, Estelle, parce que perso, moi je me disais la semaine dernière, nous finissons au revoir. Bye bye, okay, pleurer, bye. Estelle insistait. Genre, s'est plié pour nous faire ça. Oui, il fallait vraiment vous dire un autre bye-bye. Peut-être pas en pleurs, mais prendre le temps de dire les choses différemment. Comme un bizarre sans qu'il me... Un peu comme ça. Et nous, tu as envie de dire un autre gros merci suite aux... Ben, les lents d'amour qu'on a reçus et tous les messages qu'on a reçus, etc., qui nous passent plus à tannes, nous passent plus à tannes autant. Effectivement, nous pas penser que l'impact peut-être qu'il nous n'est pas aux yeux de la vie pendant sa 3 années là. On voulait vraiment vous dire merci, merci à tous nos collaborateurs, merci à tous ceux qui nous ont reçus pendant ces 3 années, merci à tous les fans qui n'ont pas arrêté d'envoyer des commentaires, de liker nos vidéos, de partager nos vidéos. Merci à la direction aussi de nous avoir soutenus pendant 3 ans. Et de nous avoir donné le feu vert total. Ouais. On décidait vraiment... De tout. Que ouais. Nous suis envie d'aller, que nous suis envie manger, que nous suis envie faire. Vraiment, il n'y avait pas de restrictions comme tu as mentionné un petit peu plus tôt. Mm. Et est-ce que c'était là le dernier mot, vous êtes? Que Chalem! Allez, Chalem! Mais si je... Chalem, on l'a dit, il dit une seule phrase et c'est bon. C'est bon, donne. Maniche, tu as un truc à dire ou pas? Pareil, mais si je tout, vraiment pas t'attendre qui... L'émission pour vous prend autant à l'ampleur là. Mm. Mais ouais. Christophe. Watch out, Tan qui nous quatre nous prennent une complicité autant faux. Ouais. Qu'est-ce que faire? Mais... Parce que moi habite la ville et tu habites les sites. Oh, te trouver. À savoir que Christophe, à chaque fois qu'on est en tournage, il disait tout le temps des bêtises off caméra qui n'arrêtait pas de nous faire rire en fait. Il était toujours borderline. Et moi, imaginez comme Jess Allaire, tant que je prends ça mal, mais imaginez. Mais je connais que la première fois nous quatre nous étions ensemble,
Parce que toi, tu étais très très timide au début. Oui, super timide. Très timide, pas tu peux causer. Avec Mané, je peux tu peux finir habitué, finir commencer habitué. Et surtout au niveau artistique, je me dis, Mané, je suis bien god, dis ça parce que son montage marie top. Et quand ça m'allait, je venais, je me dis, ah, je suis bon, j'ai pas le gâte macaroni là. Non, ça y est, parce que t'es trop timide, Paul, pas du tout, hein. Donne-lui des semaines. Des semaines plutôt, ça faut dégâter. J'y fais de la langue. Batté! Merci, vous êtes, merci pour tout. Est-ce que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non. Nous dernier là, nous dernier. Allez, merci, vous êtes, nous faisons un dernier gros bisou. Et nous disons, nous joignons autres. L'Ossimé, très bientôt. Nous ne connaissons pas comment, mais nous joignons. Allez, take care. Ciao. Bye bye.